Donc, oui, ອັງຈຸດຈຸດຈະປະກາດບັນຕໍກະຈໍາລະການນິຕິວິທີສະຫນະການອະສຸສໃດລູກຮືນມາສຸສໃດລູກຮືນກົມຕຶກຕອລອີ່ໃຫ້ກົມອອລອ້າຍອີ່ປະຊັນບາລູກມີປັນຫາຖືຕືປະຕຸບຕຶກບັດຈຶງບັດໃດອີ່ລູກປັບຍິງນໍາໃຫ້ຍິງອະນຸຍາດໃຫ້ລູກອັນຈື່ນຕືຖາມຖືຕາມທໍາມະດານະ Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais maintenant parler d'un événement très précis. Il s'agit de ce qui s'est passé dans les casernes de Takeo, de la ville de Takeo, juste après la prise de la ville. Et je vais citer ce que vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition E319.1.32 à la réponse 108. Je vais citer une partie de cette réponse. Vous avez dit qu'au chef-lieu provincial de Takeo, ils ont tué aussi bien des habitants civils que des soldats qui se trouvaient dans la caserne. Fin de citation. Alors, vous avez dit cela, et quand vous parlez de ces soldats et de ces civils qui se trouvaient dans les casernes à Takeo, et là je ne parle pas des évacués de Phnom Penh, bien entendu, est-ce que c'était le jour même de la prise de Takeo ou dans les jours qui ont suivi immédiatement? ហើយគឺបានតន្លៃតបសូមអញ្ជើញលោកកុងសំអនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ជំពោះការតាំងសំណួរនេះរបស់សារព្រឹត្តិញ្ញារងអន្តរជាតិដោយសារយើងមិនបានពិនិត្យទៅលើវិសាលភាពដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវទេគឺយើងពិនិត្យតែទៅលើបញ្ហាត្រង់កក់ហើយការសម្លាប់ទាហាននៅខេត្តតាកែវនោះវាជាផ្នែកផ្សេងមិនតាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះរបស់យើងនៅពេលនេះទេបាទសូមអរគុណ Je crois au contraire que c'est intéressant pour comprendre déjà le contexte dans lequel les événements suivants vont se produire, pas très loin de là, à la pagode de Champaleu, et pour comprendre également quelle est la nature des ennemis du régime. Donc si je peux continuer, Monsieur le Président, à poser cette question, je n'en aurai pas beaucoup sur cet événement-là. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez suivi la question qui vous a été posée ou bien devrais-je la reposer? Bien, est-ce que je pourrais peut-être demander, Monsieur le Président, que les interprètes parlent plus fort, parce que j'ai l'impression qu'ils n'entendent pas bien les questions. C'est une suggestion, je vais reformuler cette question. Vous avez dit devant les enquêteurs des juges d'instruction qu'au chef-lieu provincial de Takeo, on avait tué aussi bien des habitants civils que des soldats
qui se trouvait dans la caserne. Et je vous disais qu'ici, ce n'était pas une référence à ce qui s'était passé après avec les évacués de Phnom Penh à Champaleu, mais bien à ce qui s'est passé dans la ville de Takeo, à la caserne. Est-ce que cet événement, le fait que ces soldats et ces civils qui se trouvaient dans les casernes à Takeo ont été tués, est-ce que cela s'est passé le jour même de la prise de Takeo ou dans les jours qui ont suivi? D'accord, je vais venir à cet événement, à la pagode de Champaleu, dans un instant. Mais je voulais simplement savoir s'il y avait déjà eu, avant cela, des gens qui avaient été tués dans les casernes militaires attaquées au même. បាទអត់ដឹងចំនួនទេព្រោះគេវាយគ្នាទៅវាយមកហ្នឹងវាមានស្លាប់មានលពោះក៏យើងអត់បានដឹងដែរយើងស្លាប់ជាជនគេបញ្ចេញទៅនៅជប៉ាលើកហ្នឹងមកគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់មកជួបជុំនៅនឹងម៉ាឌិតបានគេចែកតាមភូមិតាមឃុំតាមសហករណ៍ពីហ្នឹងគេប្រើសហករណ៍គេចែកទៅតាមសហករណ៍ហើយអស់បានគេចែកទៅតាមហ្នឹង ចេញមកថាឃុំលីបូយកប្រមាណគឺថាប្រាំពាន់ណាគេឲ្យទៅប្រាំពាន់ទៅមីឃុំគេមកទទួលយកឲ្យទៅពាំងធំមានប្រមាណប្រាំរយណាគេឲ្យមីឃុំនឹងមកទទួលយកទៅគ្រប់ឃុំទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់នឹងចែកគ្រប់ឃុំ Très bien. Eh bien, justement, nous allons venir à ces événements qui se sont passés à la pagode de Champaleu. Et je vais vous poser de nombreuses questions sur cet événement. Et ce seront des questions assez courtes et précises. Tout d'abord, je vais lire ce que vous avez dit au juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition E319.1.3.2. C'est à la réponse 113. On vous demande ce que vous savez du massacre des soldats de l'ONOL et de leur famille dans la province de Takeo. Et vous répondez, je cite, « Les Khmers rouges ont alors proclamé leur victoire. On a conquis Phnom Penh. Ensuite, ils ont expulsé les habitants de Phnom Penh et les ont déportés dans la pagode de Champaleu, qui se trouvait à l'ouest, à 3 km de Ang Tha Som, district de Tram Kok. Ils ont demandé aux officiers gradés de l'ancien régime de s'inscrire sur une liste pendant 7 jours. Une fois que ceux-là se sont manifestés, ils les ont fait disparaître sans laisser de traces et ont ainsi décimé des centaines et des milliers d'officiers gradés jusqu'à extinction. Il ne restait même plus de sous-lieutenants ou de lieutenants. Il ne restait plus que de simples habitants qu'ils ont laissés rentrer à leur village natal. Fin de citation. Est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de lire, monsieur le témoin? តែលោកបានលើអ្វីដែលខ្ញុំអានឲ្យលោកស្ដាប់ដែរឬទេ
Oui, d'ailleurs, c'est votre ce que vous avez dit que je viens de lire. Donc, concernant cette pagode de Champa-le, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle commune elle était située? Donc dans la commune de Tapem, combien de temps après le 17 avril 1975, les habitants évacués de Phnom Penh ou de Kampong Som sont-ils arrivés sur place? Combien de jours, combien de semaines? Vous avez dit que les habitants de Takeo avaient également été dirigés vers cette pagode. Est-il correct de dire que les habitants de Takeo, de la ville de Takeo, sont les premiers à être arrivés dans cette pagode de Champa-le? Dans votre procès-verbal d'audition E319.1.32, le même, à la réponse 124, vous avez dit qu'il y a eu une mobilisation des gens de tous les coins par les Khmers rouges, 3 ou 4 jours après la libération, concernant l'arrivée de ces évacués. Que voulez-vous dire quand vous dites que les Khmers rouges ont mobilisé beaucoup de gens pour cette opération? Est-ce que vous pouvez nous préciser comment ils ont procédé? Et est-ce qu'avant l'arrivée de tous ces évacués, donc juste après la prise de Phnom Penh ou même juste avant, est-ce qu'il y a eu des réunions qui ont été organisées pour préparer l'arrivée de ces évacués et la répartition de ces évacués? Bon, je vais recommencer la question. Je voulais savoir si avant que les gens arrivent à Champa-le, y avait-il eu une réunion ou des réunions préparatoires, par exemple, organisées au niveau du district
ou du secteur pour savoir ce que tout le monde devait faire de ces gens. Est-ce qu'il y a eu des réunions? Est-ce que vous avez connaissance de cela? បាទសូមជម្រាបប្រសាគឺប្រជុំចុះឈ្មោះក្នុងជីដើម្បីចែកកម្លាំងនឹងឲ្យតំណោតាមឃុំបាទគឺជុំដល់ប៉ុណ្ណឹងដឹងគឺប្រជុំដែរគេនិយាយគ្រប់គ្នាថាតំណោតយើងចែកគ្នាថាប្រជុំមកក្រុមនឹងមានប្រាំដប់ណាគេយកបីបួនក្រុមចឹងមកឃុំមកឃុំគេទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងគេចុះឈ្មោះដល់ពេលថ្ងៃចែកកម្លាំងគេមកយកកម្លាំងគេនឹងទៅតាមឃុំគេទៅធ្វើចឹងប្រជុំចឹង Est-ce que dans ces réunions préparatoires, est-ce qu'on a parlé du sort qui serait réservé aux gradés de l'ONNOL, aux officiers de l'ONNOL et aux fonctionnaires de l'ONNOL? Est-ce qu'on a dit lors de ces réunions qu'il fallait les identifier et les séparer des autres évacués? ពជាជនស៊ីវិលនៃរបបលន់នៅរកអតតាគេមាននិយាយថាត្រូវបំបីទៅហ៊ានចេញពីពជាជនស៊ីវិលឬក៏អត់បាទអត់មានគេចង់ជីរួមហ្មងដល់ចែកគ្នាតាមក្រុមឃុំឃុំអស់ទៅទៅដល់សហគមន៍បានគេសម្រាញ់ចេញអស់ហើយចែកតែមានឃុំគេណាក់សម្រាញ់ទេសមានសមានលើភូមិឃុំនោះមកដល់ហ្នឹងគេណាចែកកម្លាំងទៅតាមសហគមន៍ទេ Mais je vous ai lu votre déclaration, la réponse 113, où vous avez dit que dans la pagode de Champaleu, on a demandé aux officiers gradés de l'ancien régime de s'inscrire sur une liste pendant 7 jours. Une fois qu'ils se sont manifestés, on les a fait disparaître sans laisser de traces. Et on a ainsi décimé des centaines et des milliers d'officiers gradés. Est-ce que la confection de ces listes de militaires gradés de l'ONNOL a été faite à Champaleu? Et par qui? ឈ្មោះអ្នករដ្ឋការលន់នល់នោះតែគេធ្វើនៅវត្តចម្ប៉ាលើដែរទេហើយអ្នកណាជាអ្នកចោះឈ្មោះអ្នករដ្ឋការទាំងអស់នោះបាទតំណឹងខ្ញុំបាក់អត់បានដឹងទេពួកគាត់អត់បានចូលរួមគេអត់ដឹង Oui, oui, tout à fait. Je ne dis pas du tout que vous avez participé. Je demande si vous avez su que ce travail-là a été fait. C'est-à-dire qu'on demandait aux gradés de dire s'ils avaient été officiers dans l'armée de l'ONNOL pour récupérer leur poste. Est-ce que des cadres Khmer Rouge, et bien entendu, je ne dis pas vous, ont dit cela aux évacués? តើកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមានធ្វើឬក៏អត់មិនមែនលោកទេតើកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមានសួរនាំអំពីបញ្ហានឹងឬអត់សាក់សីក្បាលតនឆ្លើយតបសូមជួយលោកមេធាវីគុំសំអិនបាទសូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះសំណួរនេះដោយមូលហេតុជាសំណួរច្រំដែរសាក់សីបានបញ្ជាក់រួចហើយថាគាត់មិនបានដឹងទេ Monsieur le Président, je ne crois pas que ce soit le cas. Le témoin a raison quand il dit que lui-même, s'il n'y a pas participé, il le dit. Donc il distingue son rôle, mais je n'ai toujours pas une réponse tout à fait claire sur les événements et je me base sur ses propres déclarations qui sont elles aussi très claires devant les juges d'instruction. Donc, je pense qu'un peu d'insistance sur ce point est nécessaire.
ហើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំព្យាយាមជួយគាត់នៅក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់ខ្ញុំ បាទអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់នៅចម្លើយតបរបស់សាក់សៃចំពោះសំណួរនេះដើម្បីឲ្យបានច្បាស់កាន់តែច្បាស់លាស់សាក់សៃឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់សហប្រញ្ញាដែលសំណួរចុងក្រោយបាញ់មិញនេះប្រសិនបើសាក់សៃចងចាំ Merci. Donc, je ne parlais pas de votre rôle du tout. Je parlais simplement du fait de savoir si, comme vous l'avez dit, les cadres Khmer Rouges qui étaient à la pagode de Champaleu ont demandé aux évacués qui avaient été des officiers gradés de l'ONOL de s'inscrire sur une liste en leur disant qu'ils allaient retrouver leurs fonctions qu'ils avaient sous l'ancien régime. ដដែលឡើងវិញតើកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមានធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងដែរឬទេបាទថងហ្នឹងអត់បានដឹងទេព្រោះវាមិនដឹងមិនដែលបានទៅចិត្តទៅវាគេផងឮតែគេនិយាយតៗគ្នាឲ្យគេឲ្យមេភូមិមេឃុំទៅទទួលមនុស្សដែលគេចែកហ្នឹងមកហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងដឹង Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais lire une autre partie de votre procès-verbal d'audition, E319.1.32. C'est la question 117 qui vous est posée. La question est la suivante. Vous avez appris tout cela parce que vous avez travaillé dans le bureau du district. Est-ce correct? Réponse 117. Oui, j'ai vu les Khmers Rouges faire leur propagande. Il y avait du monde sur 10 km carrés. Les Khmers Rouges ont déclaré que les gens allaient retrouver la fonction qu'ils avaient sous l'ancien régime. Fin de citation. Ici, vous avez dit que vous avez vu les Khmers Rouges faire cette propagande. Est-ce que vous confirmez votre déclaration? Est-ce que de nombreux gradés ont été en quelque sorte pris au piège de cette façon, par cette propagande? Est-ce que de nombreux gradés ont mentionné quels étaient leurs rangs militaires dans l'armée de l'ONOL? Est-ce que vous-même ou d'autres personnes ont jamais revu
ces gens qui avaient été envoyés à un endroit que vous ne connaissiez pas. ឃើញប្រជាជននោះម្ដងទៀតទេគឺឃើញក្រោយពេលដែលពួកគេដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេយកទៅកន្លែងផ្សេងនឹងតែលោកបានពួកគេឡើងវិញម្ដងទៀតទេបាទឃើញពេលគេចែកកម្លាំងតាមភូមិតាមភូមិនោះឃើញតូននោះដល់ស្រុកដល់ភូមិដល់ផ្ទះហ្នឹងហ្មងអត់ដែលមកដល់ឡើងទៅប៉ាលឺនឹងផង Bien, je vais encore lire un autre extrait de votre procès-verbal d'audition E319.1.32. Tout d'abord, la question 118 qui vous est posée. Qui est-ce qui menait cette opération de propagande auprès de milliers de personnes? Votre réponse, Tamok contrôlait cette opération. Question 124. Justement, j'allais venir à ce passage. Une question vous a été posée. La question 124 par les enquêteurs des juges d'instruction. La question était quand est-ce que cela s'est passé. Vous avez répondu. Écoutez bien la réponse. 3 ou 4 jours après la libération, les Khmers rouges ont mobilisé des gens de tous les coins. Dans cette opération, Som Dorn, chef du bureau du district de Tramkak, Trung Tim, chef de la commune Trapping Tom, et Daik Sim, chef adjoint de la même commune, avaient toute responsabilité. Mais Som Dorn en était le chef de file. Alors, vous avez dit à la fois dans ce passage que Tamok contrôlait l'opération et que Som Dorn la dirigeait en quelque sorte. Est-ce que c'est bien comme cela que ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu Tamok sur place à la pagode de Champaleu ou autour de la pagode de Champaleu au moment où les évacués étaient là-bas? Bien, quand vous avez dit que Tamok contrôlait cette opération, est-ce que vous pourriez apporter des précisions? Est-ce que c'était parce qu'il était le chef de zone? Ou bien est-ce qu'il a effectivement pris part à cette opération plus concrètement? Quand vous parliez du chef du district à l'époque, qu'est-ce que c'était bien Yekom, la femme de Mismut? Yekom, c'est-à-dire pour le bon Mismut, non, mais
En même temps, est-il correct de dire que vous n'avez pas passé une semaine entière à observer les événements à Champaleu, que vous faisiez des allers-retours avec des chargements de riz? Est-ce que c'est correct? Vous avez parlé du fait que des listes avaient été faites de gradés de l'armée de l'ONOL. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu lorsque vous étiez sur place? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu par la suite au bureau du district? Que tôi đã tham phun tham ấy khơi một cái can chi đâu thập mà rồi na tôi đã nông phun nó cái ôn mà rồi na khơi chi đâu tôi đã mà rồi na năng khơi đăng tập anh năng Bien, j'en viens à un autre sujet. Il s'agit d'arrestation toujours de militaires, de fonctionnaires de l'ONOL, mais un peu après les événements de Champaleu. Je voudrais partir d'une citation de votre procès-verbal d'audition, E319.1.32. C'est votre réponse 27. Vous avez dit: un jour, j'ai vu toute une escorte de gens et j'ai fini par poser la question suivante aux escorteurs. J'ai demandé: mais où allez-vous donc? Ils m'ont répondu: nous allons voir Lanka. Les jours prochains, ou plutôt les jours suivants, j'ai su que les gens que j'avais vus ont été arrêtés. Par conséquent, je n'ai plus posé de questions. Les arrêtés étaient d'anciens enseignants et fonctionnaires. Fin de citation. Donc vous avez dit avoir vu des anciens fonctionnaires et enseignants être arrêtés dans le district de Tramkhap. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment cet événement précis s'est passé? Est-ce que c'était après le 17 avril 1975? បាទខ្ញុំជម្រាបភាសាលើការចាប់ខ្លួននឹងនៅមុនរំដោះទីក្រុងតាមប្រទេសក្នុងឆ្នាំ70ខែ3ដឹងឃើញមនុស្សដល់ដង្ហែគ្នាពីផ្លូវលំពីជើងទៅត្បូងឃើញដង្ហែដូចតំបន់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំដើរនៅក្បែរផ្លូវលំពីជើងទៅត្បូងហ្នឹងឃើញដើរសារមនុស្សធ្លាប់រៀនសូត្រមួយគ្នាធ្លាប់
Bien, j'en viens alors à une autre période qui nous concerne plus. C'est la période entre 75 et 77. Je vais lire encore une fois ce que vous avez déclaré devant les juges d'instruction. E319.1.32 à la question 45. La question est la suivante. Comment définissait-il les ennemis dans le district de Tramkak entre 1975 et 1977? Vous avez répondu à cette question ce qui suit. Ils ont alors divisé la société en trois classes, à savoir ouvriers de classe moyenne, ouvriers de classe inférieure et manutentionnaires. En dehors d'eux, il y avait des pacificateurs qui ont été étiquetés comme ennemis. En l'occurrence, les anciens enseignants. Les Vietnamiens étaient traités de la même façon et envoyés ailleurs sans jamais revenir. Fin de citation. Donc ma question est la suivante, monsieur le témoin. Qui a annoncé que les pacificateurs ou les anciens enseignants devaient être considérés comme des ennemis? បាទសូមជម្រាបប្រសាជំពោះពួកដែលគេចាប់ខ្មាំងមុំរំដោះទូតាំងប្រទេសហ្នឹងគេពាក្យឆ្លងរបស់គេគេនិយាយថាគំទេចឲ្យអស់ពួកសាកដេភូមិនេះទុនប្រទេសគេរាជប្រហារអត់ឲ្យសល់ម្នាក់គំទេចទាំងរបស់គំទេចទាំងបុគ្គលនិយាយខំពុនមានមុតក៏ដល់ធ្វើមេទីងគ្រប់គុំគ្រប់សពក៏ថាអញ្ចឹងពាក្យឆ្លងរបស់គេអញ្ចឹងហើយគ្រូបង្រៀនជំទប់មេភូមិមេឃុំអីដូចអូខ្ញុំអញ្ចឹង នឹងមានការយោបាយគេហៅកំចេញអញ្ចឹងមិនចាប់ពួកទាហានលន់ណាពួកអាជានោះដែលនៅក្នុងដីម្ដងហ្នឹងគេថាពួកសាកេភូមិហ្នឹងឯងគេធ្វើកំចេញហើយម៉ែអូខ្ញុំក៏នៅក្នុងរបបនន់កុំរៀងយំហ្នឹងក៏គេធ្វើកំប្រវត្តិសាស្ត្រគេកាន់ដែរហ្នឹងឯងយោបាយសុខគេដល់ប្រកាសធ្វើមេទីងយ៉ាងអញ្ចឹងសូមអរពីបាល់ Merci. Alors, ma question portait sur la période 75-77. Là, j'ai l'impression que vous nous parlez encore d'avant la libération de 75. Est-ce que ce concept d'ennemi, c'est-à-dire les anciens enseignants, les fonctionnaires de l'administration et les soldats de l'ONU, est-ce que ces ennemis-là étaient toujours les mêmes après le 17 avril 1975? Est-ce qu'on continuait à les rechercher? Bien. Dans les mois et les années qui ont suivi leur arrivée à Tramkak, est-ce que les gens du 17 avril, donc les évacués des villes, est-ce qu'ils ont dû régulièrement rédiger des biographies dans les communes, dans les coopératives, à tous les niveaux du pouvoir? Savez-vous pourquoi on essayait de savoir quel était le passé de tous ces évacués, de tous ces 17 avril? Quel était l'intérêt de savoir ce qu'ils avaient fait avant? ពីណាក់ចង់ដឹងពីណាក់គេប្រមូលចេញពីទីក្រុងរណូជនបាល់ហ្នឹងគេដើម្បីចង់ដឹងណាក់ហ្នឹងមាននិន្នាការយោបាយនៅជាមួយភូមិដីរំដោះដែរអត់ដូចថាគេគូឆ្នាហោនៅពួកបណ្ដាសាហ្នឹងទៅប៉ះពាល់ដូចថាខ្ញុំនៅដីរំដោះហ្នឹងមាននិន្នាការបងប្អូនដែលទុំចេញមកហ្នឹងវាធ្វើប៉ះពាល់ខាងយោបាយអញ្ចឹងគេយកខ្ញុំទៅអាល់កតទៀត តបបបណ្ណាបងប្អូនដែលមកនោះមានដាសាគូគេយកទៅអាល់កតថែមទៀត
nông trang chẳng đối kia khum nà của khum nà đối khum nà kịch ọt phó đê còn vô vật xa kê cân vô kê tha vô sạc đê phúm nê tùn vô tê kê đê giá vô hà ọt ôi xo mà nè cầm tê chẳng là bó tê chẳng bục quân hay kê đào chạp tam nâng ọt miên khỏi hay dương nốt đây đó vô kê chạm miên chạm là nằm một mấy đi Est-ce que vous pourriez expliquer cette expression que vous avez utilisée plusieurs fois ? La roue de l'histoire est en marche et écraser les opposants, je crois. Est-ce que vous pourriez expliquer le sens de cette expression ? Est-ce que vous avez entendu cela de la bouche de cadre Khmer Rouge ? Nạc đã thơ mê tinh cư dây không vô bốn mê mút và thiên sọc mà rồi bàm năng. Cái đó thơ mê tinh khốp 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 sọc kỳ thà là bố xạ cái đế phùm nê tùn và tê kê ra bảo ha ọt ôi xòl mà nạ. Cái đó thơ mê tinh kỳ dây đọc bà năng đi. Cũng tê chẳng là bó, cũng tê chẳng bộ cô lấy cái đó chạp rồi. Chạp tam để kỳ thà năng. Est-ce que vous savez si c'était un principe général, si lorsque Comme disait que les capitalistes, les féodaux, les réactionnaires devaient être écrasés, est-ce qu'elle-même elle avait reçu des instructions de l'échelon supérieur à ce niveau-là ? Ou bien est-ce que c'était une initiative purement personnelle de sa part ? Bà ớt đằng này đừng có trật tùa phèn cà phì nào còn ở trật thơ mê tinh dây gặp đùm đúc mũi nâng. Est-ce que c'est une expression et une politique que vous avez entendue par la suite quand Yeikom a quitté le district de Tramkak et qu'elle a été remplacée par d'autres leaders au poste de chef de district. Est-ce que les autres chefs de district utilisaient le même genre d'expression pour définir les ennemis ? Bà vậy không nông prao cho là đò hô thì nằm chết sau phần muôi tầm mốc họ có thêm co bò nọ đây rõ quật tầm mốc thường mày tin tuôn tuôn bay đó vậy không hột cho cọ không tà trâu hay miên một khối về chọc và thư mày tin nhà chọc ấy ngang hai ở đèn thư mày tin mày ấy cái lên vậy là hô đâu ở vì vậy không cái ở miền vậy Pourquoi Tamok a-t-il organisé des réunions de masse consécutives et quels étaient les sujets dont il a parlé à ces occasions-là ? Bạn còn ghi vì thơ từ nốt thơ và lai nô bộ được bé năng thơ bấy đo quạt thà à na chùm lạp chùm tốp chia chùm tốp lệch bay tốp năng thơ ca non công riêng vô này vậy không còn đua chùm lạp tốp chia nó khá là mộc Hãy đòi tầm mốc bát lì xua kế thà kìm lạp bát hay đòi chẳng tầm mốc tàu tàu mơ cái thơ tầm nộp bộp tàu bè đang có thơ mê tinh mà nữ nó thơ tầm nộp nâng mà khe đang sợ tầm nữ có thơ mê tinh thà kì còn dây vì tầm nộp lại hay còn dây vì hướng à na tầm lạp tộp chia à dùm tộp chia nâng chìm nữ say hẹt ấy tàu tầm lạp vía vía kinh ấy vía vía khám ăn ấy vía nữ say lắm Ôi dù vậy chục thẳng cọt nó rồi khơi Bờ rồi mình khơi nhé dù vậy chục nó Cọc thửm có bò nó đây rồi Còn thôi mới tin bấy đón vậy không chết sao Còn mới rốt tù khai cọc con bà trâu Bien, j'en reviens aux biographies.
où étaient conservées les biographies? Est-ce que c'était dans les archives des communes? Ou bien est-ce que les communes transmettaient ces biographies au niveau du district? Est-ce que vous pouvez nous dire si, d'après vos constatations, les gens qui avaient de mauvaises biographies ou un mauvais passé, comme les évacués du 17 avril, est-ce que ces gens étaient particulièrement surveillés par les miliciens des communes ou du district? À propos des biographies, je voudrais vous lire ce que quelqu'un qui a témoigné devant cette chambre a dit. Avant ça, je vais vous demander si vous la connaissez. Il s'agit de Ye Bun, alias Kum Bun. Est-ce que vous la connaissez au district, dans le district de Tram Kak ou dans une commune à l'époque? Alors, il s'agit d'une femme, Ye Beun, B-O-E-U-N, qui aurait occupé des fonctions de chef de commune et de chef adjoint au district. Quand vous dites chef du district, vous voulez dire membre du comité du district ou bien secrétaire du district? Bien. Donc, elle a témoigné cette semaine en tant qu'ancien chef de commune de Cheng Tong et de chef adjoint au district. Elle a dit ceci aux réponses 254 et 255 de son procès-verbal d'audition E319-12.3.2. Je vais citer en anglais, parce que nous n'avons pas de version française. Question 254.
When the commune chiefs began to collect biographies from the people and found someone who had been involved in the Lol Nol regime, what happened to those who were associated with the Lol Nol regime? Answer by Ye Bun. Immediately when the Khmer Rouge regime began, they commenced making biographies of people who used to be teachers, policemen, or civil servants in the Lol Nol regime. Then they sent all of those biographies to the upper echelon. That was an order from the upper echelon. Question 255. To your knowledge, what happened to those who had been involved in the Lol Nol regime? Answer by Ye Bun. After the biographies were sent to the upper echelon, they provided the names of those people to me. Then I ordered the arrest of those people and sent them to the upper echelon. Some were able to return, some could not. The arrested ones were mostly soldiers and policemen. Not many teachers were sent there. End of quote. Donc voilà ce que Ye Bun a dit de l'établissement des biographies et des arrestations d'anciens policiers, militaires et enseignants dans la commune de Cheung Tong. Est-ce que ce témoignage sur cette procédure correspond à ce que vous avez pu entendre de ce qui se passait dans d'autres communes du district de Tram Kak à l'époque? Est-ce que on procédait de la même façon, c'est-à-dire établir des biographies, les envoyer à l'échelon supérieur, qui les renvoyait aux communes, qui arrêtait les gens? Est-ce que vous avez entendu ça? Très bien, en fait, je me référais à votre position au niveau du bureau du district. Bien que n'étant pas un cadre, vous avez pu entendre ce qui s'est dit dans ce bureau par les différents cadres que vous avez pu côtoyer. Est-ce que les cadres comme Ruo, Pi, Korn, ou bien votre cousin Dorn ont parlé de ce processus d'identification des gens et d'arrestation? គឺគេមានពីលើមកគេសរសេរដូចថាឈ្មោះកនោះគុំបាំងធំហ្នឹងឃើញឈ្មោះជីគេមកពីលើមកគេឲ្យជាប់ចាប់ឈ្មោះកហ្នឹងគេសរសេរឈ្មោះកហ្នឹងគេបងកញ្ចក់ទឹកពីកហមឃើញបងកញ្ចក់ទឹកពីកហមហ្នឹងគឺមានកងទ័ពស្រុកទៅនាំយកមកឲ្យស្រុកនាំយកមកឲ្យស្រុកស្រុកឲ្យកម្លាំងនាំយកទៅឲ្យអង្ការស្រុកនិយាយខំអាហ្នឹងឃើញចឹងដែរឃើញការពិតអញ្ចឹង. Bien, est-ce que vous pouvez nous dire où exactement, concrètement, les gens qui étaient arrêtés étaient amenés au district? Est-ce qu'il y avait un local, un centre de détention pour les emprisonner? គេយកទៅសម្លាប់ភ្លាមអត់ឲ្យឈប់លុបអត់ឲ្យសុំទឹកផឹកក៏គេអត់ឲ្យដែរ
hay bơ chắp ảnh nư đô tha phụpôn kê đô thơ chóp hay ông phđai kê đô thơ chóp phụpôn nông khói à mà nư khnông phùm nông ấy tôn đô phụpôn kê kê chắp vô mô đá chả là kè prè ô chóp cục tì bay khé tô tô phụ nguê khé à nâng kì lên vinh à nâng kì vô miên cả lè vô mà đá là kè prè nâng đó là vông kê chọt tức đi kò hóm á ọt miên tô là kà nà cắt kê đây ôi tô lọc khói vinh bàn kê tô vô ôi con vọt xa kì cắt ấy. On va revenir sur les cercles rouges et bleus après la pause, mais concernant les gens dont vous dites qu'ils étaient rééduqués, étaient-ils envoyés à un centre de rééducation? Étaient-ils libres de circuler où ils voulaient? Ou étaient-ils maintenus à un endroit pour être rééduqués? บ่าน่ะแหน่มีปบัดตรูปบงตึกบิ๊กในกระหอมให้บงก็จอดตึกบิ๊กกระหอมให้อดมีโยดได้ลาแก่แปรเด้คือประชุมตกบาดให้เบอร์จมปนน่ะโคดประปนโคนเกโนข้างข่อยนั้นเกมีกะไหลสลาเกแก่แปรโยมาดักคุมข้างคุมข้างปิ๊กใบแค่ตัวผมมวยแค่เกเลงนี่นะนั่นก็อดเธอไอ้เต้ Concrètement, ceux qui étaient envoyés en rééducation pendant 3 ou 6 mois, savez-vous à quels endroits on les envoyait? Est-ce que c'était à des endroits où ils devaient travailler comme des gens normaux ou bien c'était à des endroits où la nuit ils étaient détenus? Est-ce que vous avez entendu les cadres ou les policiers du bureau du district en parler? Concernant votre lieu de travail, vous venez de parler de Angroka. Donc j'en conclus que votre bureau, le bureau du district était à Angroka. Combien de mètres séparaient le bureau du district du bureau du comité du district, s'ils étaient différents? Est-ce qu'il y avait deux bureaux ou un seul? บ้านซอมมีเรียบประสากณะศพคือก่อนมีจักก่อนนอกឆ្ងាយពីទីស្រុកហ្នឹងតាំងបីណាហ្នឹងអត់មានមកជាប់នៅកន្លែងស្រុកហ្នឹងគេមានប្រធានទីឯនៅជាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាស់ក៏នៅឆ្ងាយហើយទីទីឡាកែប្រែហ្នឹងក៏នៅជាប់ទីស្រុកហ្នឹងដែរហើយទីស្រុកហ្នឹងមានតែមួយទេអត់មានពីរមានបីទេកន្លែងខ្លាំងផោះភៀសសំវិរៈឯក៏នៅហ្នឹង Bien, est-ce que le bureau du district était également le même bureau qu'on appelait bureau du commerce du district? Bien, peut-être la toute dernière question. Vous avez parlé d'un bureau de rééducation tout près du bureau du district à Angroka. Est-ce que ce bureau de rééducation
était situé à quelques centaines de mètres vers l'ouest du marché d'Angroka. Merci beaucoup. សូមអរគុណលោកសាស្ត្រីសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយមុននឹងសម្រាប់អរគុណជម្រាបជូនដំណឹងថាព្រះញ្ញានិងភិក្ខុនៃរឿងក្តីអំពីសំណើសុំរបស់ថាព្រះញ្ញាអន្តរជាតិដែលបានលើកឡើងកាលពីព្រឹកមិញដែលសូមឲ្យអង្គជម្រះស្ដាប់សារណារបស់ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសក្តិកម្មដែលបានមកពីការធ្វើទរណកម្មមកប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលនោះ សហព្រញ្ញានិងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធនិងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីសំណើនេះតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់មន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំរះស្លាតដបងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គមេបកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះហើយសូមលោកសម្រាប់ចុះហើយអង្គជំរះអញ្ជើញលោកមកបន្តផ្ដល់សក្តិកម្មធាននៅរុស្ស៊ីនេះចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 1 កន្លះសូមលោកជ្រាបអង្គជំរះប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់សម្រាប់ខាងក្រោមសាធារណការនេះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាធារណការនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ